Oh, Bonsoir Franck, tu tu vas bien? vas bien? Franck, ça s'est joué sur en 2-3 minutes, quoi, en fait, finalement. Ouais. Sur un penalty. Frustration sur l'expulsion ou... Non, bon, non, les bon, le carton, enfin, le deuxième carton jaune, il est. Non. Oh, Bonsoir Franck, tu vas bien? Oui. Franck, ça s'est joué sur en 2-3 minutes, quoi, en fait, finalement. Ouais. Sur un penalty. Frustration sur l'expulsion ou... Non, bon, non, les bon, le carton, enfin, le deuxième carton jaune, il n'y a rien à dire. C'est peut-être le premier où il y a contact entre les deux joueurs. Après, bon, c'est comme ça. C'est penalty aussi, parce que M. Lannoy ne voit rien. Après, c'est malheureusement le ballon. J'ai demandé à Gaël, le ballon, il prend en pleine tête, oui, et c'est le réflexe qui met la main devant son visage. Donc voilà, ce qui est rageant, c'est que c'est un arbitre qui est à 50 mètres de l'action, qui arrive à voir le geste. Donc voilà, bon, c'est comme ça, on va pas. Oui, il se protège son visage, comme ça, le ballon arrive et il met son avant-bras devant le visage. Donc, bon, c'est comme ça, point final, on passe à autre chose. Ce qui est rageant, c'est qu'on a fait une très bonne première mi-temps, on était bien en place, voilà. Et puis, en quelques minutes, le rouge, le pénalty, donc après, ça devient compliqué, quoi. Vous avez toujours aussi, vous jouez, vous produisez du jeu à l'extérieur, mais finalement, en termes de points, c'est pas ça, quoi. Non, mais non, si, tant qu'on ne sera pas efficace, c'est toujours ça. De toute façon, c'était le mal depuis le début de saison, c'est qu'on arrive à être cohérent, quel que soit le stade adversaire, on veut jouer, mais il faut être beaucoup plus efficace et pallier certaines erreurs. Voilà. Il faut mieux parfois laisser passer. J'en veux pas à Younes parce qu'il est réprochable depuis le début de saison, mais voilà, ça nous met en difficulté et on l'a payé très très vite. Mais bon, on reste dans le même état d'esprit, du jeu. C'est pas facile parce que c'est un terrain où il y a énormément de sable. C'est pas facile de jouer là. Putain, il y a que du sable sur le terrain. Il n'y a que du sable, c'est pas facile, il y a beaucoup de forbons, mais voilà, c'est notre façon de faire et on ne changera pas jusqu'à la fin de saison. Maintenant, le maintien pour vous, c'est plutôt à la maison qui va jouer, vous avez des... Ouais. Peut-être que vous vouliez un peu viser plus haut, mais le maintien... Non, mais de toute façon, nous on a trompé, comme j'ai toujours dit... on a trompé personne, ça a toujours été le maintien. Peut-être les seuls qu'on a trompé, c'est nous-mêmes, par rapport à ce qu'on avait fait. Mais voilà, donc on a toujours été programmé pour le maintien. Est-ce que ça va jouer à domicile? Je pense, comme Brest, quoi. Voilà, ça va jouer à domicile. On a un match contre Laval très important vendredi. Donc à nous d'être lucides et ambitieux. Ouais. Ben, moi, ce qui me dérange, voilà, je veux dire, quand t'es défenseur, les mains, ça sert d'équilibre. Alors après, que tu tendes la main pour rater le ballon, là, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, t'as plus le droit de te protéger, quoi. Genre, le ballon, il t'arrive en pleine poire. Tu te protèges parce que c'est humain, je veux dire. Voilà. C'est rageant parce que voilà, ça part de tous les côtés. Alors il y a malheureusement ou heureusement, peut-être heureusement, vous avez des arbitrages différents justement par rapport à cette compression, cette façon de faire. Voilà. Donc il y a moi ce qui me dérange un tout petit peu, c'est un arbitre de touche qui est à 50 mètres, quoi. Alors que M. Lannoy, il est à 5 mètres de l'action. Voilà, il laisse finir et tout d'un coup, on revient alors qu'il est à 50 mètres. Mais, franchement, on a la même distance que l'arbitre. Moi, je suis incapable de dire s'il a fait main. Il y avait tellement de monde devant, je savais même pas qui avait touché le ballon. Mais bon, c'est comme ça, on va pas...
on va pas refaire. Voilà, c'est... voilà, donc je suis très calme aujourd'hui. Non, non, mais on a eu des situations dans cette année où on a eu les mêmes choses, où les arbitres n'ont pas sifflé, voilà, parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas intention de jouer le ballon, qu'il y a eu une protection, pareil, le mec s'est protégé, il n'y a rien. Moi, ça ne me dérange pas que le mec, il se protège le visage ou le ventre, il met la main, c'est comme ça, je veux dire, il n'y a pas, faute volontaire, il n'y a rien. Mais bon, on est rentré dans un système où la moindre chose devient d'un point de vue médiatique, tout à discussion. Donc voilà, on va dire que l'erreur fait partie du jeu. On va l'accepter, il n'y a pas de souci. Non, mais en plus, il y a eu un bon arbitrage ce soir, donc il n'y a pas eu de problème là-dessus. Merci. Voilà. Bah tiens. Alors ben voilà, là on est à 43 points aujourd'hui. C'est un match qui nous le premier objectif est atteint. C'est se maintenir en Ligue 2. Je peux pas oublier où nous étions il y a pas si longtemps que ça, et la débauche d'énergie, le mental des mecs, l'investissement des garçons qui ce soir, après une première mi-temps, bon, très moyenne, on n'était pas très en jambes. Voilà, c'est par contre une deuxième mi-temps où ils ont su faire la différence et remporter ce match contre une équipe quand même bien organisée. C'est pas le hasard quand on voit, elle est très très bonne défensivement, c'est une des meilleures défenses du championnat, et puis quand on voit le match de ce soir, elle est pas facile, cette équipe est pas facile à déséquilibrer. Donc ouais, le premier changement, j'en fais un, je sors Verdier pour mettre CA, et après Ramaré était malade. Ouais. Rama, il était pris de maux de ventre un peu avant le match, donc ça l'a déstabilisé, quoi. Voilà, donc CA, non, c'est une option. Voilà, j'ai sorti Verdier pour mettre ce CA qui nous amenait plus de ouais, plus de percussion, c'est un point de fixation plus. Voilà. Donc c'est un peu l'engagement, un peu, qu'a fait la différence, puis à un moment, c'est le match bah, qui bascule un peu sur... Ouais, ben après, c'est... Aujourd'hui, vous avez surtout été dangereux sur coup de pied arrêté, ce qui est étonnamment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a été dangereux sur coup de pied arrêté, ça c'est une bonne... C'est intéressant. J'espère que pour la fin de saison, on va savoir parfois faire la différence sur coup de pied arrêté, parce que les coups de pied arrêté, ça aide dans ce genre de match, un match très serré quand même. Hein. Ces deux équipes qui sont très très près l'une de l'autre, c'est pas le hasard si au classement on était avant le match ex aequo. Voilà. Donc ouais, on a été bon sur le coup de pied arrêté. Ouais, on était dangereux, ça c'est mieux. Mieux vaut tard que jamais. Ouais, cette équipe a bien défendu, très bien organisée. Elle est dure à déstabiliser quand même, cette équipe. Et puis aussi, sur la première mi-temps, on a fait quand même une première mi-temps très moyenne. Très moyenne dans l'engagement. On était assez frileux. Je trouvais qu'on n'était pas bien en jambes quand même sur cette première mi-temps. On a eu du mal à rentrer dans le match. Bon, même si on a bien défendu sur le coup, parce qu'on rentre quand même à 0-0. On ne s'est pas donné le handicap, quoi. Voilà. Le premier avec Verdier pour donner plus de percussions et d'avoir un point fixateur avec CA. Non, Ramaré pour une autre raison, c'est parce qu'il avait des maux de ventre et il était diminué. Donc, Très peu. Ouais, même en faisant une première mi-temps quand même moyenne, hein, mais on n'a pas concédé d'occasion, quoi. Voilà. Ça aussi, je pense que l'équipe a gagné en concentration.
Bon, tout n'est pas parfait, mais bon, c'est, on arrive même dans des périodes où on n'a pas le, on est loin d'avoir la maîtrise, on arrive à rester solide et costaud, puis pour mieux repartir, quoi, parce que sur la deuxième mi-temps, c'est quand même mérité. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, jouer libéré. Non, ça ou comment j'entends ? Jouer libéré ou... C'est quoi l'autre truc ? Faites-vous plaisir. Tu l'as pas entendu, ça ? Dis. Non ? Faites-vous plaisir. Bah ouais, faites-vous faire plaisir. Ouais, bah ouais. Moi, tu sais quand c'est que je prends du plaisir, moi ? C'est quand je gagne. Voilà. Ouais, pas plaisir, mais enfin, plaisir. Il y a du plaisir dans la victoire, dans le... Voilà. Alors maintenant, on va rien changer. Je te l'avais dit avant le match, je te le dis après. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de dire on va, ça y est, on a d'autres ambitions. J'en sais rien. Tout ce qu'on peut, non, c'est de gagner le prochain. Voilà, on va essayer de gagner le prochain, parce que on a un sacré match qui nous attend à Niort. Voilà, on va essayer de le gagner. Ouais. 33 points. Et ce soir, l'équipe elle gagne, mais elle est emmenée par un super Bruno Bougi, qui est très bon en premier temps et en deuxième, il est décisif avec un but et une passe décisive. C'est ton copain, non ? Si, si, je le sais, je le vois. Si, si, c'est ton pote. C'est ton voisin ? C'est. Bruno, il a été. Ouais, Bruno a été. Il fait une bonne deuxième. Mais en première mi-temps, on était un peu. On est passé un moment. De ligne de 4, parce que pour pas par prudence, mais pour rester mieux équilibré, parce qu'on était quand même pas au mieux en première, quand même. On était, donc on a bien quadrillé le terrain, on a bien défendu, par contre on n'a pas su attaquer en première. Et en deuxième mi-temps, bon oui, Bruno derrière les deux attaquants, bien sûr. Bon, aussi le travail de CA a bonifié aussi quand même. Il bonifie Alex, il bonifie... Ouais. Non ? Alex aussi, on voit enfin, de mieux en mieux en termes de finition. De finition. Ouais, c'est un malin. Alexandre, il a le pif. Il faut à côté de lui... un mec qui... Ouais. Non, il profite du travail aussi de CA, quoi. Hein, de l'attaquant là, qui est à côté de lui, qui bosse. Et lui, il est malin. Il se trouve là, à l'endroit où il faut. Il est... Non, je t'ai pas dit dépendante. Je t'ai dit on est dépendante parce que le seul qui marquait, c'était, enfin, le seul qui marquait, on n'a pas marqué non plus des caisses, mais voilà, on peut pas, on pouvait pas. Et si on était dépendant de Verdier, nos jours étaient comptés, quoi. Hein, on peut pas, on dépendait. Voilà, c'est. Ah ben après tout le monde est revenu, quoi. Alexandre Alphonse est revenu, Bruno. Se retrouve, le petit CA est arrivé, c'était une bonne nouvelle. Il y a Jonathan Ité aussi, il faut pas écarter Jonathan, parce que Jonathan va pouvoir nous apporter aussi lui d'ici la fin de saison. À Ité, je te parle. Voilà, on a retrouvé tous les blessés, quoi. N'oublie pas le match aller, hein. Tu te rappelles du match aller ? Ah bon, tu l'as encore en mémoire ? Rappelle-toi. Hein ? Ouais. Et après, on a fait le petit Jordan... comment ? Hein ? Ouais. Bon. Sans les sous-estimer, mais bon, c'est quand même... C'était un peu compliqué pour marquer un but, quoi. Là... Bon, en tous les cas, beaucoup de joueurs, beaucoup de l'équipe aujourd'hui montre un tout autre visage depuis. Voilà, on a fait une première mi-temps moyenne, bam, elle se retrouve, on est à 0-0 à la mi-temps, mais on sait qu'elle peut le gagner, quoi. On n'est pas. On est... Voilà. Elle a réussi en deuxième mi-temps. Bon, bah, à force de bosser, elle est sérieuse, rigoureuse, concentrée. On arrive à se créer des occasions, quoi. Ouais, je trouvais que à gauche, Mwembe était
mieux fini. Là où il doit progresser d'ailleurs. Dans la dernière passe ou l'avant-dernière, c'est vrai. Ouais, c'était plus appliqué, c'est bien ce qu'il a fait. C'était mieux dans la finition. Enfin, dans le geste. Ok, merci.